parler un petit peu avec nous. Nous allons donc appeler monsieur. Qui est-ce qu'on voulait? Qui est-ce qu'on voulait là? C'est vais... Junior? Attends donc, ah, okay. Tu es pressé. Je vais appeler. Je ne souhaite pas faire non, faute non. Non. Parce que après, pour que je me souhaite faire du olé là. Nous allons appeler, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le directeur général de la télévision nationale d'Haïti et également de la radio nationale d'Haïti, monsieur Kamal Jules Augustin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Tout ça, nous avons fait à Souéa, c'est grâce à volonté, désir de collaborer, engouement, engagement, gros monsieur Saha, qui est le Kamal Jules Augustin. Et à Souéa, Lila avec nous, il y a un privilège pour ce monde qui a célébré 39 ans télévision l'État, de 1979 à Jodia, nous fait un pile chemin, et Jodia, c'est M. Augustin qui a une chance pour la diriger télévision l'État, mais tout diriger radio l'État. Une expérience qui est assez enrichissante pour lui, puisque chaque fois qu'on a une chance de parler de l'expérience comme directeur général de télévision l'État, il est toujours avoué que lui apprend un pile bagaille. Déjà, comme à Souéa, c'est pour un discours formel. Viens nous prêter déjà micro là avant nous. Bien temps. Sûr, mais avant nous allons inviter monsieur DG. Monsieur Augustin, Kamal Augustin, nous allons faire Tichita, nous allons mettre nous à l'aise et puis nous allons parler. Voilà. Nous allons accompagner notre directeur général vers l'espace qui a été réservé pour cette belle causerie ce soir. Voilà, nous prenons la place du jury. Voilà. Merci DG, est-ce que vous avez nous à Souéa et nous avons fêté 39 ans d'existence pour Télévision Nationale d'Haïti. À téléspectateurs, téléspectatrices, à spectateurs, spectatrices, et comme vous êtes directeur général radio, à tout, à auditeurs, auditrices, de fait, nous en direct sur Radio Nationale à Souéa, comment expérience là pour directeur général? Merci Kenly, et je profite de remercier tout le monde qui est présent à Souéa. Commencez par remercier le secrétaire d'État à la communication PIA, et qui est présent, et je suis très sûr de prendre la parole après, et parce que c'est un monde dans le cas là, c'est un journaliste de carrière. Je salue tout honorable député. Belizeur qui est avec nous, et c'était Moun Kala, tout, toujours Moun Kala, toujours aider nous, en pile dans ce que nous avons fait. Je vais saluer le directeur général Enot Stakila et mes collègues, les différents directeurs qui, là, qui représentent plusieurs directions, dans ni télévision ni radio. Et Kenny, je vais saluer tout, je vais saluer Viani. Et question, c'est qui j'aime sentir qu'a célébré 39 ans. 39 ans existence télévision l'État. Et, qui j'aime sentir qu'a célébré 39 ans existence télévision l'État, son fierté pour moi, son joie. Et parce que j'aime dire, c'était toujours un rêve. C'est un rêve, moi. J'ai toujours aimé la télévision. Et c'est ça que je fais. Et c'est une fierté pour moi pour gérer. Et je pense que je fais un bon travail. Nous avons déjà annoncé pour vous-même qui suivez sur l'écran et vous-même qui ensemble avec nous dans le jardin TNH que à Souéa, nous faisons chaud. Donc, DG va venir là pour faire discours. Nous avons causé avec DG. Nous avons parlé avec DG autour de l'expérience. Dans l'occasion 39e anniversaire Télévision Nationale d'Haïti. Et deuxième question, m'envie poser DG, 12 mois pour nous arriver dans 39e, non, puisque l'année dernière, dans la même occasion, ça a célébré 38e anniversaire de télévision. 12 mois, ça s'est passé. Qui s'est marqué comme directeur général de télévision nationale? 12 mois, ça s'est passé. Qui s'est marqué, c'est. J'ai employé mieux géré 12 mois. J'ai des employés qui sont très qualifiés, mon frère. J'ai une série d'employés. D'ailleurs, c'est eux qui ont célébré, je vous dis, c'est leur 39 ans. C'est eux qui ont créé ça, c'est eux qui ont fait archive télévision, c'est eux qui ont filmé mémoire ça. Ils ne sont pas là, mais c'est eux-mêmes qui ont fêté. Et pendant 12 mois, ça, c'est avec eux que nous travaillons et nous réalisons plus de bagailles. Coupe du Monde, là, par exemple, c'était une belle réussite pour la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, j'étais satisfait de cette Coupe du Monde. Nous faisons l'autre événement encore. Par exemple, Concours Noël, ça, c'est la deuxième édition. Hein. Nous avons fait l'année passée, sans compter tout, chaque année, depuis que moi-même, là, chaque année, nous avons. On internship des jeunes qui sont de tous côtés dans l'école dans Port-au-Prince, dans MFL à travers tout le pays, mais ça va prendre du temps, qui sont dans l'école Port-au-Prince, qui viennent faire petit temps avec nous là, qui viennent apprendre audiovisuel là. C'est ça son immeuble qui est là, pour les gens qui pas vraiment compte la télévision nationale qui invite nous. À ce moment-là, je dis immeuble ça a grand pile travail qu'on fait là-dedans. Grand pile jeunes qui apprennent, grand pile formation qu'on fait là-dedans. On a formé beaucoup de monde.
et pendant tout le temps ça yo, et n'a continué à faire. Vous retournez sur belle expérience, sur bel moment passé pendant 12 mois, mais pas qu'une expérience qui était très difficile que nous arrivions à surmonter pendant 12 mois ça yo, déjà. Quand pile l'expérience, quand pile difficulté. Par exemple, il y a des événements que, comme nous en période de fête, que moi-même personnellement, je ne vais pas me souligner parce que l'événement ça yo, l'a regardé yo. Et même à travers les caméras de la télévision nationale d'Haïti, ils sont tristes. Et je profite de vous un message pour la population, pour la population comprendre que nous avons besoin de stabilité dans le pays pour tout le marché. Je regarde ces jeunes qui ont performé là. Écoutez, nous cherchons à talent dans le pays. Mais si nous n'avons pas de podium pour performer, si nous n'avons pas de opportunité pour performer, si nous n'avons pas demandé de bloquer le pays, nous n'avons pas demandé de faire des autres, qui ça a créé? C'est triste ça seulement que nous avons nous passons de très mauvais moments pendant ce moment-là. Mais cependant, nous n'avons pas prêté sur nous. N'a prêté sous aspect positif là parce que c'est avancé pour avancer. 1979, 2018, 39 ans d'existence pour la télévision nationale d'Haïti et la télévision de service public, la chaîne de service public ne va pas s'arrêter là, la continuer travail. Ou même ou c'est directeur général qui a célébré 39 ans, c'est sûr que vous gagnez en pile perspective pour l'année à venir, pour les mois à venir. Qui ça est, monsieur Gamal Augustin? 39 ans son passage. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est 40 ans. Et 40 ans, nous allons célébrer, nous avons commencé à célébrer à partir de après 12 janvier. 12 janvier qui sont dates que nous obligés de couper nos alliés. Mais après 12 janvier, nous avons lancé 40 ans et télévision nationale d'Haïti. Pour 40 ans, nous avons plus un pile bail qui est en prélude. Nous avons télégénien que nous allons faire, plus grandiose, année ça. Nous avons championnat interscolaire. Parce que c'est job nous, pour nous travailler avec les jeunes. Nous avons championnat interscolaire que nous allons faire et de concert avec le ministère et des sports. Et qui pourra participer avec nous. Nous gagnons des festivals tout que nous pourrons commencer à faire dans le pays. Parce que la télévision nationale d'Haïti est là pour l'accompagner artistes là tout. Et ces jours-ci, nous sommes capables de trouver un avant. Nous connaissons son monde qui est un combat direct. Je ne sais pas si on a un monde qui est un combat direct passé. Parce que son aussi animateur combat direct que mieux. Mais combat direct là pour frappe. Mais c'est World Télévision Nationale d'Haïti pour dire que l'a organisé au moins une fois par année un festival. Même j'en ai tout chita là. Il y a son festival pour tout camper. Et puis, on a regardé des performances, plusieurs jazz. Que c'est jazz qui gagne non? Que c'est jazz qui peut gagner non? Parce que je dis à la 10 finalistes ça, que nous affichons là. Non, entre eux là, on Lionel Benjamin. Non, yon même là, ou gagnons Émile Michel. Ou on qui est là. Mais cependant, Télévision Nationale, c'est job li pour le bayo, podium, pour performer. Effectivement. Et moi, j'aime le fait que Cap l'a déjà metté. Sur 40e anniversaire là, puisque DG s'est déjà annoncé, depuis après 12 janvier, on a commencé à célébrer 40e anniversaire de télévision nationale. Avant, je trouve tout pour les 40 ans, nous avons travaillé avec l'équipe production pour nous doter télévision de documentaires. Parce que nous faisons documentaire sur tout le monde. Nous faisons documentaire sur tout le monde, nous faisons tout le monde parler, mais nous ne faisons pas un documentaire sur tête. Nous pensons que l'heure est arrivée et pour nous doter tête de documentaire, qui a prêté dans l'histoire, puis ouais, côté de Téye et côté de Rivé. Parce que, Kenny, chemin n'est pas facile. Je vais le retracer là, rapidement pour le public là et pour vous-même. Soit vous regardez le chemin télévision nationale d'Haïti. 1979, il est inauguré. Donc là, en couleur. Première télévision dans le Caraïbes là, qui est inaugurée en couleur. On a eu la chance cet après-midi pour regarder l'image et image émission d'essai qui était faite en juillet 1979. Ok? De 1979, vous venez prendre 1980. 1980, l'on regarde les archives télévision qui sont où des performances extraordinaires, des beaux sacombo, où est rentrée de équipe artiste qui sont dans l'autre pays qui vient performer en Haïti. Tout ça, c'était des ambiances et la TNH était là. Et la TNH était toujours continué là, mais il y a des moments inoubliables, il y a des moments qui étaient phénoménal. Je suis très sûr, par exemple, quand l'on regarde les images de 1986, okay, nous n'avons pas de problème que c'est changement à la démocratie. Mais nous n'avons pas obligé de faire tout craser ça que nous faisons. C'est-à-dire, l'image ça aurait été. C'est la TNH était là. Et la TNH était filmée, l'image ça. On regarde l'autre bon moment encore. 29 mars, la constitution de la République d'Haïti. La TNH était là pour accompagner la population haïtienne. On allait nous filmer dans l'exercice, il y a voté. Et il y a fait devoir. 1990, 1991, on a aussi accompagné la démocratie. C'est job nous. Pendant que le président qui fait nous, son président qui est un président à vie. Mais cependant, il quittait un outil qui est là pour servir tout le monde. Ok, l'offre quitter ça, sans compter les combien catastrophes qui passent dans le pays. Et problème de Gonaïve, problème de tremblement de terre. TNH pas de gens fermés. Ça, c'est ton fierté. Hein? Tout le monde a des problèmes, mais TNH t'a opéré là dans la cour. Là dans la cour, il m'a profité de saluer. Et le directeur général qui était là à l'époque, là, M. Pradel, parce que c'est un gros frappe. Parce que moi-même, moi qui s'en prend dans le pays, là. Je n'ai pas besoin de dire pour un frappe.
tremblement de terre. So, et il continue à informer la nation. So, nous-mêmes, nous faisons job nous. 39 ans sans faire, mais je profite tout. Et je profite de caméra télévision pour me dire merci avec les gens qui ont commencé. Yo. On est un coup Fritz Joachim. Je me dis merci parce que c'est Fritz qui a commencé à passer toute Calicia. Je me dis merci tout avec tout notre directeur général qui cotisait dans ce que nous y est aujourd'hui. Parce que je n'étais pas là pour, être, pour 39 ans. Okay? À peine que j'ai 2 ans ici, là, mais pendant ces 39 ans, on a vu passer des tas d'autres directeurs généraux. Et bon, le premier directeur, le maire, mon beau-père Pierre-Robert Auguste, des hommes comme Emmanuel Ménard, des hommes comme, et bon, on a perdu notre fameux Joe Dams. Ok, mais tout Nexayo, Bernier Sylvain, tout Nexayo, c'était des icônes qui étaient passées dans la télévision et qui quittaient 39 ans ça que nous avons vu aujourd'hui. Viani, tu as demandé une bonne question pour Mounio, parce que grand pile attente pour célébration 40e an. Grand pile moun qui retrouve yo dans des communes qui pas dans le département l'Ouest pays et qui grand pile attente pour 40e anniversaire de télévision qui t'a souhaité même j'ai avec un pile moun ouvrir téléviseur yo et garder télévision nationale live la caillou. Bon. Qu'est-ce un message là pour déjà. On va même mal rentrer dans ça ou tout faire me songer m'a profiter saluer mon Jérémy. Mon Jérémy en forme ou pas de Jérémy avant. Ça montre que n'a travail, n'a avancé. Nous a travaillé là sous cap haïtien, n'a travaillé sous port de paix. Et nous travaillons sur tout le pays actuellement, je ne vais pas être menti. Et l'MD là avant, on avait une couverture au moins de 60-70%, nous étions presque arrivés. Cap a fonctionné, au cas il a fonctionné, mais malheureusement, il y a une pause. Pendant la pause, il y a eu des problèmes. Il y a des sites qui ne viennent pas marcher, mais qu'on y a là, c'est job nous, c'est devant nous pour nous refaire au marché. Et je pense que, j'en dis, et le 23 décembre, année prochaine, je suis capable de chiter là, même je me salue Jérémy, pour me saluer Marouge. Même je me salue Jérémy pour me saluer et Laska Obas, pour me saluer Maïsad, pour me saluer Sekalasous. C'est rêve nous. 27 750 km², il n'est pas difficile pour nous couvrir. Bien que Haïti soit un pays qui est exceptionnel dans vue, au point de vue montagne, c'est chaque jour même avec des ingénieurs tant que Fritz Joachim, des ingénieurs tant que notre directeur technique de la télévision, M. Auguste. Chaque jour, on a parlé de ça. Ok, je parle de Anthony Auguste. Chaque jour, on a parlé de ça. On a parlé de gens Haïti à difficile. À cause de mon nom, mais il faisait ça. Bon, il était fait en 79. Là, on a la technologie. Et l'aime courir mal fait Jérémy. Je ne sais pas si je suis naïf. Je ne sais pas si je suis. Au cas haïtien, mais son signal que je lance, par la population, par l'État haïtien, pour me dire que si je couvre le dernier point de pays, nous allons faire reste là. Merci déjà et bonne fête. Merci. On va aller saisir l'occasion pour me prendre le privilège de ça. Non, mais on peut dans le salon là. Vous me dites, Mounio, que, et avant de partir, que la télévision nationale d'Haïti se porte bien. Nous en forme, nous up to date avec la technologie. Nous avons essayé de temps en temps, la technologie a changé. Mais femme, dis-nous, il y a un débat qui est important pour nous, avant que nous rentrions dans 40 ans, c'est faire transition entre les jeunes qui ont rentré dans la télévision. Parce que, je veux dire, nous avons fait 40 ans. Nous sommes très sûrs que nous voulons garantir que nous avons fait 80 ans. Et pour nous garantir que nous avons fait 80 ans, il nous faut des jeunes. Et c'est raison ça, je dis, on m'a profité pour me dire nous que dans toute direction de la télévision, nous avons des internes, nous avons des jeunes, comme on a expliqué encore, des stagiaires. Nous avons des stagiaires qui travaillent. Et, dans le coïncidence, c'est eux-mêmes qui aiment la télévision. On m'a profité pour me connaître si un stagiaire, là, par exemple, on prend par département rapidement, par direction rapidement. Est-ce que y a un stagiaire dans la salle-là qui est dans la direction et information, par exemple? Si il y a un FMWO, voilà, non? Pas un stagiaire là qui est dans la direction information de ce côté, mais il a monté. Fais mon yoé. Parce que c'est eux qui travaillent dans la télévision. Si un stagiaire dans la direction information, s'il vous plaît, nous sommes capables de nous joindre. Et de même pour tous les stagiaires, pourquoi pas hein? Parce que nous avons relevance pour eux. Ben. Tous les stagiaires de la direction de production, nous avons besoin de nous connaître un petit Jean per caméra, nous sommes capables de filmer. Mais nous pouvons paraître devant la caméra, mais vous pouvez venir. Et avant tout, merci. Où sont les stagiaires? Stagiaires, ils ont fêté, plus à fêter. Alors, c'est pour vous dire que c'est grâce à stagiaires que la télévision a fonctionné. Et, mais ça va veut dire que employés n'ont pas là. Employés n'ont là pour bailler stagiaires, ça vous connaît. Son passation d'information, son passation de savoir. C'est-à-dire que nous faisons liaison. Par exemple, ce monsieur, c'est Wilson. Il est caméraman Saoule GRI. Parce qu'à la télévision nationale d'Haïti, ce que j'ai pu faire moi-même, c'est de créer des GRI. Ça sont journalistes, reporters d'images. C'est-à-dire que pour quoi
ou ka voye la le font en mission, la vini avec image yo, ou ap gen seulement pour traiter yo. Ça c'est Wilson, ça c'est et ça c'est Grégory. Grégory lui-même c'est JR et tout, journaliste reporter d'image et il fait travail là, c'est lui-même c'est au même qui kembe nous dans production. Là nous gagne moi me balle l'autre, nous pas dire nous dans microphone non. Nous gagne Denis Jasmin. Denis c'est même bagarre là tout, c'est des JR. Parce que qu'on y a là ou besoin des journalistes reporter d'image. On caméraman faut qu'a filmer, faire montage et puis pour voir image à côté pour l'aller. Mademoiselle Kassena Michel, lui-même est dans la direction culturelle. Là. C'est lui-même qui prend la rue, qui fait des reportages. Mais encore une fois, ce sont des stagiaires. Ou pas stagiaires nommés. Ou pas stagiaires nommés. Ou faites nommés, pas stagiaires. Ça y est encore une fois des jeunes qui ont réintégré la télévision. Hein, pour montrer nous qui travaillent que nous avons fait. Toi-même, c'est le nom Richie. Richie, c'est direction sport. Il est en sport. Hein? Monteur caméraman dans le sport. Dans la production. So, monsieur dans la production, monsieur c'est monteur, caméraman, encore une fois, un journaliste reporter d'image. Ça c'est direction information, ça c'est reporter. Reporter. Et vous-même? Figaro, direction information toujours? Bah, ça est direction archive là, qui est important en pile. C'est-à-dire, on a introduit des jeunes dans l'archive là pour nous capables d'avancer. Ça c'est caméraman ça, monsieur lui-même debout chaque matin à 5h du matin. Il est obligé de venir faire une nouvelle 7h. C'est-à-dire, nous sommes obligés de faire des jeunes ça au respect. Et c'est eux-mêmes qui pourraient le garantir. 80 ans. Parce que moi-même, j'ai une chance pour moi 40 ans. Mais 80 ans, c'est dans mes rôles. Ça, c'est Wilson. Nous, Wilson, déjà, nous, presque tout le monde qui est là. Mesdames et messieurs, ce sont nos stagiaires. Ce sont des jeunes que nous introduisons dans la télévision. Mais ça ne veut pas dire que ils n'ont pas collaboré avec les employés qui l'ont. Nous avons des employés de mort. Tout. Nous avons des employés qui travaillent là actuellement parce que nous avons une production. Nous avons des employés qui ont fonctionné avec nous. Mais qui là pour aider les jeunes, ça y est, plus connaissance. Monsieur, merci. Au nom de la télévision nationale d'Haïti, je vous merci et m'espérer le plus vite que possible, je vous donne la possibilité pour me faire nous employer à la télévision. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'applaudir nos stagiaires. Merci d'applaudir le directeur général. Bonne fois, DG. Avant de profiter de tout employé, bonne fête. Parce que les 39 ans, c'est eux-mêmes qui font. Commencez dans la barrière, arrivez dans la direction générale là. C'est eux-mêmes qui employent nous. Et j'aime travailler avec eux, j'aime vivre avec eux, c'est pour frère et soeur. Porte est toujours ouvert pour eux, elle a toujours été comme ça. Ici, nous sommes une famille. Je dis merci parce que je dis à tout le monde de mettre tête ensemble, nous avons organisé qu'aucune chaîne événement ça. Et honneur, ce n'est pas pour le directeur général là, parce que le directeur général n'était pas là pour 39 ans. Honneur et respect, c'est pour les employés de la télévision nationale d'Haïti. Encore une fois, bonne fête et joyeux Noël à tout le monde. Merci. Voilà. Merci d'applaudir le directeur général de la télévision nationale d'Haïti et de la radio nationale d'Haïti. Et comme je vous l'avais dit, ce soir, nous faisons la fête. Nous faisons un show. Oui, il y a le secrétaire d'État à la communication qui est là ce soir et qui certainement prendra le temps de souhaiter un heureux anniversaire à la télévision nationale d'Haïti. Monsieur Alexis, vous êtes prié de nous rejoindre sur le podium de la célébration des 39 ans d'existence de la télévision d'État pour souhaiter un joyeux anniversaire à la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir, monsieur Alexis. Bonsoir à tout le monde. Voilà, des feux d'artifice pour vous accueillir, monsieur. Merci, 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 merci. Bon, il n'y a pas de prévoir pour me déparler à Souéa. D'ailleurs, c'est le ministre de Culture et Communication qui n'a pas porté le bien, à qui moi voulais faire un clin d'œil particulier. Dans l'occasion ça, qui m'a dit, même si je ne suis pas capable de venir, le secrétaire d'État a venu doublement. Venir pour mes mêmes ministres et puis venir pour vous-même. Secrétaire d'État, m'en vie ajoute un troisième comme ancien employé Télévision Nationale d'Haïti. Moi, je suis rencontré un paquet de amis là, dans la télévision. Je suis dans le messager, l'autre monde dans le personnel là,
monsieur Nambarier yo qui c'est des connaissances zami pam gen même famille même tout qui sorti dans même région avec Serginio Lindor qui sorti dans même institut de formation avec m'a parlé de sciences humaines donc on prend pile plaisir pour rencontrer moun sa yo. Gamal Augustin c'est un monde moi rencontré il y a de cela 2 ans dans le palais national qui vient côté en président de la République. Les croisés, nous saluons, nous connaissons, nous faisons présentation. Et depuis lors, le directeur Adim, il voulait un regard particulier pour moi et il manifeste à plusieurs occasions. Directeur, publiquement, merci. Philippe Bélizer, tu es ensemble avec Missia sous directeur général Bradel Henriques. Josia, le député du peuple. Représentant de la commune, de la circonscription de Tiburon, dans le sud, mais même secrétaire d'État dans le gouvernement, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Mon cher ami, collègue, je suis content de vous assurer encore. Il y a un monde qui est particulier pour moi, qui accompagne dans vie dans un moment important. C'est Marc-André Odigé. Directeur d'information radio nationale, monsieur, c'est parrain de mariage. Mais. Donc, parrain, merci. Dans quelques jours, c'est vrai l'anniversaire, même avec madame. Mais. Bonsoir et merci encore publiquement de accompagner. Bon, moi, merci, m'en veux dire. Même si dans le moment fête, ce n'est pas un moment pour dire merci, c'est un moment pour dire bonne fête de préférence. Télévision en fait, en 23 décembre, il y a des gens qui ont 39 ans dans la télévision. Là. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la télévision employés qui refusent de prendre pension. Ils ont dit préférer rester dans la télévision au lieu de la caillou. Alors que depuis 25 ans, ils ont droit à la pension. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas aller, ils ont là, ils ont décidé de rester. Ils ont pile là-dedans qui ont participé à la formation dans la télévision. Les gens qui ici, ils ont dit merci et félicitations pour nous tous. Faites là, c'est pour vous, c'est pour moi tout comme ancien employé de télévision. Mais que je ne me dis pas ancien employé, je suis tellement gardé bon là sur à côté de travail, je me considère comme un monde qui est déplacé, mais qui n'a pas quitté l'institution. Donc, un monde qui est déplacé dans la télévision, qui a vu n'importe quel levé, puisque en Haïti, il y a une migration qui fait, je me considère comme un émigré, je connais immigré, on est émigré, je m'a parlé de côté de travail. Moi, ouais, Lionel Edouard, là, quand je regarde, je me dis, Alexis Guilin va parler de moi. Oui, il m'a parlé de vous. Son camarade dans le journal Le Matin, qui jeudi a fait émission 360 degrés dans la télévision nationale d'Haïti. Télévision en grand, puis l'ouverture qu'il fait. Félicitations, Lionel. Publiquement, même là, je n'ai jamais invité dans l'émission. Bon, pour 39e anniversaire, là, moi, j'ai un mot spécial pour toute population. Et pour tout employé de télévision. Haïti a vécu des moments très difficiles. Moi, je crois que c'est l'heure, l'année de l'occasion, pour qu'il y ait des dépassements qui sont faits, pour nous songer. Il y a des gens qui n'ont pas d'opportunité de faire même goût avec nous. Ils ont même laissé une petite chance pour qu'ils participent à l'autre qualité d'activité qu'ils ont faite dans le pays. Il y a des batailles qui ont toujours mené. Même si parfois il faut déplorer les armes qui sont utilisées, mais on utilise toutes les armes que vous voulez dans le cadre de la bataille. Mais il faut qu'il y ait un espace. Félicitations et bravo pour tout le monde qui a compris la nécessité pour qu'il y ait un petit espace pour nous fêter l'année ça dans l'occasion de Noël. Là. Moi, je dis joyeux Noël quand même, parce que là, on peut y avoir autant de difficultés. Nous-mêmes qui avons un héritage lourd côté nous. Que ce soit dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir exécutif, pour nous continuer à mener combat au nom de la population. Il est difficile de voir la population en bonne fête. Il est difficile de voir joyeux Noël. Ah, joyeux Noël, là, moi, ajouté un qualificatif. Joyeux Noël, quand même. En dépit de toute difficulté, de tout problème, on a gagné, prend une minute, prend une journée, prend une nuit pour partager ce gain avec mon qui est à côté. Ça, c'est un geste. En dans moment Noël là qui c'est en fête de famille, fête de partage qui est important que pour nous faire.
gen moun ki ka di ou pa genyen, mais sou cherché, ou ap jwenn, gen l'autre moun sou frape pòt yo, y ap repon nou. Bonne fête télévision nationale d'Haïti, bonne fête Haïti, bonne fête radio nationale, là on parle de télévision, pas capable radio, c'est deux frères si à moi, youn pa marche sans l'autre. Directeur, bonne fête tout employé yo. Si gen moun mwen pa sonje, le m'ap soti la kenbe. Bonne fête tout le monde. Voilà. Merci à M. Eddy Jackson Alexis, secrétaire d'État à la communication, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous à l'occasion de la célébration des 39 ans d'existence de la télévision d'État, de la télévision nationale d'Haïti, qui a pour slogan la chaîne de service public. Et la chaîne de service public, c'est par rapport à sa mission ou à ses missions principales, par rapport à ses fonctions premières, que la télévision nationale d'Haïti a été qualifiée de chaîne de service public. Et aujourd'hui, nous célébrons son anniversaire avec vous qui avez choisi de faire le déplacement pour être avec nous, vous qui nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir, vous aussi qui nous faites l'honneur de nous regarder à travers votre petit écran ou à travers votre téléphone portable, téléspectateurs et téléspectatrices internautes, merci à vous d'avoir fait le choix de fêter avec nous à distance.